Charlène et Albert de Monaco, grande angoisse pour leur fils Jacques. S'il est une chose qui angoisserait Charlène et Albert de Monaco, c'est bien leur fils Jacques, qui a célébré en décembre dernier son 4e anniversaire. Après avoir alimenté la grossesse de la princesse, la version allemande d'Intouche s'intéresse une nouvelle fois à la famille princière de Monaco, et plus particulièrement à Jacques Grimaldi qui susciterait quelques inquiétudes. Et on pensait qu'il était aux prises avec la maladie, mais heureusement il n'en est rien. En réalité, le média allemand ne refait que revenir sur le déroulement de la fête de la Sainte Dévote, la sainte patronne de Monaco. Et de rappeler à cette occasion que l'héritier de la couronne monégasque était bien perdu sans sa sœur, absente ce jour-là. Le petit n'avait pas l'air vraiment enthousiaste. Les acclamations semblaient l'intimider, il s'accrochait à son père Albert. Charlène tentait tant bien que mal de rassurer. Et, nous sommes toujours là, lui aurait-elle lancé un moment. Sans sa confidente Gabriella, Jacques Grimaldi semblait être l'ombre de lui-même. Le prince Albert ne peut que le comprendre, il est aussi passé par là. Mon père était plus et catégorique. Ne faites confiance à personne, m'a-t-il dit. Il avait des côtés rigoureux, parfois un peu durs.